et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Désolé du retard causé par simplement des choses indépendantes de notre volonté. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons vous accueillir à notre étude biblique du vendredi soir. Nous allons continuer la démarche « Comment vaincre la dépression » et nous prions que le Seigneur, une fois de plus, soit au rendez-vous et que son Saint-Esprit nous inspire et vous prodigue non seulement les enseignements, mais aussi participer à l'onction qui se dégage dans cet enseignement et l'appliquer à votre vie en ces temps de pandémie. L'Église est heureuse de savoir que vous êtes branchés pour pouvoir non seulement vous éduquer, mais aussi vous équiper. Et ainsi, vous pouvez mieux répondre, non seulement dans votre foi, mais aussi dans la gestion du quotidien dans cette pandémie, comme enfants du Seigneur. L'équipe, les chantres vont vous exécuter un cantique. Je reviens après à la présentation de l'offrande pour la prière et la présentation de l'étude du soir. Bonne audition. Que le Seigneur bénisse. Triomphons, chantons ta richesse et jouissons-nous devant Dieu. Que chant de louange sans cesse à sa gloire remonte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui Père de l'éternité, auteur de la vie éternelle, régisseur de notre foi, nous voulons te bénir et te remercier de la grâce que tu nous as faite d'être encore en vie, debout, dans ces temps de grandes difficultés où nous pouvons dire, à l'instar de Samuel, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Nous saluons ta bonté, ta fidélité, ton amour, ton éternité, ta sainteté,
Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas non plus un autre Dieu. De Dieu avant toi, il n'y en aura pas après toi. Et les idoles des nations nous disent, les saintes écritures sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont des yeux et ne voient point, des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Et le psalmiste continue pour dire, il les ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et voilà pourquoi, ô notre Dieu, nous voulons nous confier en toi et en toi seul, parce que tu es le seul, ô notre Dieu, qui a amené par ta parole à l'existence tout ce qui n'était pas. Nous reconnaissons aussi, ô notre Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit. Et voilà pourquoi, ô notre Dieu, dans les moindres démarches de notre vie, nous voulons certainement tourner les regards vers toi. Non seulement, ô notre Dieu, pour ne pas échouer, mais aussi pour établir proximité, communion et relation avec ce Dieu de la toute-puissance. Reçois nos gratitudes pour les bienfaits de chaque jour, pour la protection, pour la proximité de ta présence qui nous serve de couverture, non seulement contre le mal qui traîne autour de nous, contre aussi, ô notre Dieu, l'ennemi de notre âme qui trop souvent tente de nous assaillir, mais grâce soit rendue à ta protection, à ton amour, à cette promesse que tu as faite que voici, je suis avec vous tous les jours, nous en jouissons, ô notre Dieu, avec efficacité. Et voilà pourquoi il n'a pas pu avoir gain de cause d'aucun de nous. Nous prions, Père des cieux, que tu bénisses ton peuple partout où il se trouve, par-delà la terre et particulièrement nous recommandons à tes soins bienfaisants notre église locale, Philadelphie, et ô notre Dieu, ses enfants, ses jeunes, ses vieillards, ses adultes, ses familles, ses ministères, aussi bien, ô notre Dieu, que ses défis. Tu connais ce qui, ô notre Dieu, est au cœur de ces temps difficiles, ô notre Dieu. Aujourd'hui, si avant on disait le désespoir, le dispute à la peur, aujourd'hui la peur s'installe. Aujourd'hui, ô notre Dieu, une pandémie, un ange de mort est relâché. Aujourd'hui, le monde est à l'envers. Aujourd'hui, on appelle bien mal et on appelle mal bien. Aujourd'hui, les institutions qu'on croyait être les plus fiables et les plus stables fléchissent devant, ô notre Dieu, les mouvances culturelles et aussi l'évolution des gens, en sorte qu'ils donnent à la société ce qu'elle veut et non ce qui est bon. Nous prions que tu préserves ton Église dans ces temps de grande confusion et permets, ô notre Dieu, que nous ne perdons pas le cap, que tu es celui qui a et qui a été, qui est et qui sera de toute éternité Dieu, et que c'est non seulement notre privilège, notre fierté, mais aussi, ô notre Dieu, notre sûreté éternelle, que ce Dieu nous prendra avec lui bientôt. Nous recommandons à tes soins bienfaisants, ô notre Dieu, nos familles endeuillées, particulièrement sur Mémé et sur Robert des familles. Tu sauras, ô notre Dieu, leur prendre par la main une fois de plus, tandis que tu visites celles-là qui sont malades et qui ont besoin, ô notre Dieu, que tu les relèves, que tu les touches, que tu les bénisses, si ce n'est que de les guérir, parce que tu fais encore œuvre qui vaille, tu envoies ta parole et tu guéris. Et tu es encore le même Dieu qui ne change pas, l'Éternel qui pardonne nos péchés et qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous reconnaissons, ô notre Dieu, que n'était-ce pas la promptitude de ta présence aujourd'hui, nous aurions été souvenirs. Mais grâce à celui qui a fait l'accompagnement par ses promesses et par sa présence, nous pouvons jouir encore, ô notre Dieu, d'une vie où nous pouvons confesser notre foi, certainement garder notre persévérance, quoi qu'au loin, mais maintenir, ô notre Dieu, notre attachement à toi et notre allégeance, ô notre Dieu, dans la foi que nous professons. Merci Jésus-Christ qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. D'incapacité de se contenir. Nous avions conclu ensuite pour dire, c'est pas simplement l'incapacité de se contenir, c'est même se gérer émotionnellement. Donc la dépression pèse fort sur nos émotions. On a vu aussi qu'elle est nourrie par un retour constant aux choses du passé sur lesquelles on ne pouvait ou bien on ne peut s'affranchir. Donc, je vous avais dit que ça vaut pas la peine de séjourner sur notre hier parce qu'on peut pas retourner en arrière et le changer. Tout ce que nous demandons à Dieu de faire, c'est de pouvoir, un, l'accepter et de pouvoir gérer ça avec grâce, de savoir que le Dieu qui nous a dit qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous purifie de toutes nos iniquités, peu importe ce que hier a enfanté, donc il dit maintenant, voilà pourquoi, à Actes 17, versets 30 et 31, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant ». Donc l'appel est venant
d'un Dieu qui donne un appel suprême. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, l'appel est suprême, l'appel est actuel. À tous les hommes, l'appel est universel qu'il ait à se repentir. Donc, pour le mal d'hier, on n'a qu'à se repentir, mais on ne peut pas retourner en arrière et le changer. Et le pourquoi, il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Donc, la repentance, ce n'est pas simplement pour nous aider à agir de la faute du passé, mais c'est pour nous aussi préserver du jugement de l'avenir. Donc, conséquemment, frères et sœurs, ça ne vaut pas la peine de vivre dans la dépression, dans la déprime, à cause d'un passé difficile à s'affranchir. Donc, nous avions dit aussi que la dépression, c'est la peur d'être mal jugé. Si on dévoile son expérience du passé, on serait mal accepté, mal perçu. Et ainsi, je vous avais dit que les appréhensions des humains n'ont jamais changé les gens. Donc, Dieu qui dit qu'il est immuable et qui dit qu'il nous pardonne et qu'il ne s'en souvient plus de nos péchés, c'est de lui que nous devons, sur lui et par lui et sur, que nous devons miser notre caractère, notre personnalité, notre entité pour pouvoir non seulement développer une perception des circonstances, des choses et des gens autour de nous, mais pouvoir affronter la vie avec ses défis. Donc, les expériences, l'impossibilité de solutionner ou d'améliorer sa condition de vie est aussi une des situations qui nous amène à la dépression. C'est pas simplement les situations d'hier que nous pouvons pas changer, mais c'est des fois, c'est les situations présentes, actuelles, qui constituent des défis énormes devant nous, donc une impossibilité de solutionner ou d'améliorer notre condition de vie présente. Donc, je veux vous dire que peu importe la torpeur, peu importe les vagues de l'existence actuelle, peu importe pandémie, peu importe incertitude, peu importe. Donc, n'oubliez pas, il n'y a rien qui soit éternel, seul Dieu le soit. Ainsi, seul Dieu l'est, je m'excuse. Et il faut comprendre que nous ne devons pas miser trop longtemps sur une situation présente qui paraît indomptable, parce que cela ne va pas durer toute l'existence. Ainsi, il faut miser sur l'espérance. Trop souvent, on nous dit que l'espérance frustre l'homme du bonheur du présent. Donc, pourquoi croire à l'espérance d'un demain si aujourd'hui n'est pas bon? Frères et sœurs, les expériences de la vie bonne ou mauvaise font partie intégrante du menu de l'existence. Ainsi, je vous demanderai de ne pas sombrer non seulement dans l'incertitude, encore moins dans l'inquiétude, parce que nous n'avions jamais été les gérants de notre existence. Nous avons l'opportunité de gérer simplement ce que nous pouvons. Le possible est à nous, l'impossible est à Dieu. Donc, ainsi, se rappeler que, aussi, troisième élément, la peur. C'est pas simplement le passé que nous ne pouvons pas changer, c'est pas simplement le présent qui ne dure pas éternellement, mais c'est la peur. Troisièmement, nous avons vu que la peur n'est pas de Dieu, la peur de ce que demain va enfanter, la peur de ce qu'on va dire de nous, la peur de ne pas pouvoir répondre à des capacités ou bien à des situations qui demandent intelligence et qui demandent agilité ou habileté et que nous n'avons pas la capacité de joindre, j'aimerais que vous me suivez là, de vaincre cette dépression parce que entre ce que dit le cœur et ce que la volonté nous dicte, la tête est en train de se perdre dans un tourbillon où rien semble être à l'équilibre. Et comme on dit dans le classique, le panacée n'est pas à l'aise. Donc, entre ce qui se passe ici et entre ce qui se passe dans le creux de notre volonté, de notre intelligence vers le cœur, donc il y a carrément un tourbillon. Donc, vaincre la dépression, c'est premièrement une considération. J'aimerais que vous me suivez ici. Vaincre la dépression, c'est une considération. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et qu'est-ce que le cœur dit, mais qu'est-ce qui vraiment est ma volonté? Je reprends. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Donc, c'est une démarche à faire, à maîtriser ce qui se passe dans la tête et ce que le cœur ou l'émotion dicte versus ce que la volonté, qui est le siège de l'intelligence, peut dicter. Ainsi, frères et sœurs, la première chose que je voudrais recommander, si vous êtes au bord de la dépression, c'est premièrement d'écrire l'expérience de vos vains regrets. D'écrire l'expérience de vos vains regrets. On arrive dans la vie avec des choses qu'on a faites pour lesquelles on éprouve de profonds regrets. J'ai pas dit,
que l'on n'a pas ce sentiment de vouloir bien faire ou bien de n'avoir pas bien fait, on le sait, mais de, pour ce sentiment qui nous dit « je n'avais pas bien fait » nous amène à vivre dans un regret profond. Et ce regret profond peut nous amener dans cet état de déprime que nous ne pouvons pas contrôler. L'apôtre Paul a fait une confession d'une attitude qu'il a eue par rapport à l'évangile, par rapport à Jésus-Christ. C'est ce que les grands théologiens auraient mis dans la catégorie de la dépression spirituelle. Je vais lire pour vous cette dépression ou bien comment il fait pour décrire l'expérience. J'ai dit, première chose, c'est décrire l'expérience des 20 regrets. Je lis à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8, et je m'arrête au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8 au verset 10. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, un bébé avorté. Regardez le langage. Car je suis le moindre des apôtres, diminution de sa personne. 3. Je ne suis pas digne, intégrité et dignité mal perçue. Je ne suis pas digne d'être rappelé apôtre, élévation refusée. Et voilà comment il décrit ce vain regret, parce que j'ai persécuter l'Église de Dieu. Donc, ce vain regret du passé, il ne peut pas retourner en arrière, le changer, il l'a fait. De quoi vous l'avoir dit, comportement ou attitude, action posée dans le passé, ne saurait être corrigé par quoi que ce soit dans le présent. Tout ce qu'on peut épouser, parce que, un, on ne peut pas retourner dans le passé, le changer. 3, c'est gravé dans la mémoire des gens et dans l'espace que nous l'avions fait. Et 4, ça nous domine parce que c'est un acte personnel. Mais regardez bien ce que Paul dit. Non seulement après avoir séjourné pour dire qu'il est un apôtre avorté, je suis le moindre. Il dit, après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. C'est comme il dit, j'ai failli ne pas être dans la galerie des hommes appelés pour servir Dieu. Je suis un apôtre avorté. Car je suis le moindre des apôtres, non seulement avorté, mais aussi une diminution de sa personne par rapport à l'élévation. Et troisièmement, il dit, je ne suis pas digne. Ici, il questionne l'intégrité et son attitude dans le passé par rapport à une moralité. Et je peux vous aider à comprendre l'attitude de Joseph qui pouvait tomber dans la dépression à cause de, premièrement, la haine de ses frères, deuxièmement, qu'ils l'ont accusé, troisièmement, ils l'ont jeté, et ensuite, ils l'ont repris, ils l'ont fait remonter, ils l'ont vendu, ils l'ont revendu, il a été agressé, il a été accusé, il a été emprisonné, il a été oublié, et finalement, on nous dit que l'Éternel était avec lui. Je vais vous dire, si vous vivez au Caire ou à côté ou tout près de cette affaire qu'on appelle la dépression, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. L'élément que vous écoutez ici. La présence des souffrances n'indique pas l'absence de la présence de Dieu. La présence du malheur, du danger, des difficultés, des épreuves, des pandémies, de la mort, du deuil, n'indique pas l'absence de la présence de Dieu. C'est important de se le rappeler, et là, Paul fait un rappel de ses 20 regrets, et il le décrit. J'ai persécuté à outrance l'Église du Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il a eu un remords, j'ai dit qu'il a eu un regret. Et dans ce regret, il a fait trois choses. Si tu ne peux rien contre une chose du passé qui semble affecter votre présent, mieux vaut ne pas y penser. Vous dites, pasteur, c'est difficile de ne pas y penser. Je vais vous dire une chose. Ne pas y penser ne veut pas dire que ça ne vous traverse pas la pensée. Mais ne pas vous laisser dominer par cette pensée-là. Ne pas vous laisser dominer. Le pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Je vous le dis, je ne veux pas faire de vous, il faut avoir un caractère monstre devant la dépression. Non, j'ai dit qu'il faut gérer ça dans la pensée pour trois raisons. On ne peut pas retourner en arrière, l'effacer.
Deuxièmement, j'ai dit, c'est une perte de temps. Troisièmement, on ne peut pas l'effacer non plus dans la pensée des gens. Tout ce qu'on peut y faire, c'est de l'accepter dans le passé et de le décrire comme étant un des 20 regrets. Et ça suffit, frères et sœurs, un de nos 20 regrets et de le décrire. C'est important de décrire comme étant 20 regrets. Deuxième démarche, après avoir pris la liberté, la responsabilité de décrire l'expérience, comme Paul vient de le faire, deuxièmement, c'est identifier la cause. Identifier les causes pour lesquelles, dans lesquelles vous aviez évolué. Identifier les causes. Il est impossible d'être possédé. Il est possible, je m'excuse, d'être possédé par la peur du futur. Je reprends. Il est possible d'être possédé par la peur du futur. Je n'ai pas dit que c'est normal, je n'ai pas dit que c'est légal, je n'ai pas dit que c'est spirituel. J'ai dit qu'il est possible d'être possédé par la peur du futur. Laissez-moi vous dire pourquoi. Premièrement, c'est parce qu'on séjourne dans le fait qu'on devient incapable. Qu'on devient incapable de gérer dans le présent. Écoutez ma voix, de gérer dans le présent ce que le futur peut enfanter. Suivez-moi, frères et sœurs. Si vous ne pouvez pas changer la chose qui va arriver, pourquoi craindre la chose? Cela veut dire, si vous ne pouvez pas le changer, cela va arriver quand même. Je crois vous l'avoir dit trop souvent, il y a un aspect d'un cantique que je ne chante pas. Volonté, bon Dieu douce. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai, non, que volonté, bon Dieu douce. Mais au moment où vous la vivez, ça peut être difficile. Je vais vous donner un exemple. Demain, si Dieu veut, on amène le cadavre de frère Augustin Doucet ici. Je suis sûr, si Mémé pouvait changer la situation, elle l'aurait changé. Si Obed pouvait changer la situation, il l'aurait changé. Mais c'est demain, c'est cette affaire de demain qui va se passer là. On doit faire face à ça et personne ne peut le changer. Donc si on ne peut le changer, qu'est-ce qu'on fait, pasteur? On demande au Seigneur la grâce de l'affronter. Sachant que peu importe la rigueur de la détresse, la mort ou la maladie, peu importe sa rigueur, elle est temporaire. Peu importe sa rigueur, elle est temporaire. Donc, identifier les causes. Deuxième, c'est quand vous laissez, ou bien quand nous laissons nos hier commander notre aujourd'hui et détruire notre avenir. Quand nous laissons nos hier, notre passé, commander notre aujourd'hui et détruire notre avenir. Donc, ce qui est dans le passé, en d'autres termes, j'aimerais que vous me suivez et suivez exactement l'exercice que je suis en train de faire. Quelque chose vous est arrivé un lundi, un 20 avril 1976. Juste un exemple. Donc, aussi longtemps que vous traînez ce lundi 20 avril dans votre tête, mai n'est jamais arrivé. Juin n'est jamais traversé. Juillet n'est jamais. 79 n'est jamais. Donc, vous restez en arrière. Et je crois vous l'avoir dit souvent, celui qui vit dans le passé ne progresse jamais. Si Dieu, qui vit dans l'éternité et dans un éternel présent, dit qu'il mettra vos fautes en oubli une fois les confessées, et les problèmes n'ont pas une durée éternelle, et puis que nous avons la certitude que demain est un autre jour, alors, ce n'est qu'une perte de temps. Je reprends, ce n'est qu'une perte de temps de sombrer notre présent et de dommager notre avenir par rapport à notre passé. Identifier les causes. Comment identifier les causes? C'est quelles sont les causes de la dépression? La perte d'un emploi, une maladie prétendue incurable, ou bien la situation avec un enfant, ou bien une anxiété sur l'économie. Ça peut être une multitude de choses qui nous préoccupent dans ce temps de pandémie et qui nous amène à sombrer dans la dépression. Frères et sœurs, si on peut identifier les sources et les causes de la dépression,
J'ai appris à l'école que une fois qu'on connaît la nature de notre problème, nous n'avons plus un problème, nous avons un projet. Et quand on a un projet, qu'est-ce qu'on fait? On travaille dessus. Donc, je vous demanderai de ne pas vous sombrer dans la dépression. Vaincre une considération de la tête, le cœur et le corps. Deux, de décrire l'expérience du mal que vous avez fait. Je l'ai baptisé avec le terme des 20 regrets. Deux, j'ai dit identifier les causes, identifier les sources de chagrin, d'incertitude, d'anxiété ou de quoi que ce soit. J'ai parlé d'une maladie, j'ai parlé d'un deuil, j'ai parlé d'une perte d'emploi, j'ai parlé d'une incertitude d'économie, j'ai parlé d'une crise familiale. Et la liste peut se changer. J'ai parlé d'une chute que vous avez connue dans votre vie spirituelle. Donc, entre la dépression spirituelle et la dépression psychologique, les deux semblent vous préoccuper, vous posséder. Donc, n'oubliez pas que une fois que les causes sont identifiées, vous n'aviez plus un problème, vous avez un projet. La troisième recommandation, c'est lire la parole. Restez connecté avec les promesses de Dieu. Je vais vous lire un passage dans le psaume 42 et psaume 43. Tournez vos Bibles avec moi, psaume 42 et psaume 43, nous permettant de faire face à des situations difficiles quand nous sommes au bord de la dépression. Psaume 42 et psaume 43. Voilà ce que nous lisons. Comme une biche, psaume 42, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et regardez le langage, le discours, le contenu, la substance de ce texte. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? C'est une âme qui languit après une délivrance et après une assistance et une présence. Mais regardez qu'est-ce que dit l'auteur dans ce psaume 42. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Constant détresse. Deux. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est mon Dieu? Dans la souffrance, on pense que Dieu est absent. C'est pourquoi je viens de vous dire que la présence de la souffrance ne veut pas dire nécessairement l'absence de la présence de Dieu. Deuxièmement, rappel du passé. Je me rappelle avec effusion de cœur quand Dieu marchait entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude. En fait, les expériences heureuses du passé ne sont plus. Donc, tout le bonheur du passé s'est enterré dans la peur ou la frustration ou bien l'anxiété du présent. Verset 6, il est en train de dépeindre une situation actuelle. Et questionnant la situation, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Il se reprend. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Voilà la périphrase clé dans sa pulsion montée. Après avoir interrogé son âme, donc on comprend qu'ici que la tête parle au cœur. Et le cœur parle au siège de la volonté. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Donc, comprends qu'il y a deux entités ici. Il y a quelqu'un qui parle à lui-même, il parle à son âme. Vaincre la dépression, c'est laisser le will, comme on dit en anglais, la volonté commander ce qui est émotionnel. Pourquoi t'as battu mon âme? C'est pas simplement la question, mais écoutez pourquoi il dit l'âme ne devrait pas s'abattre. L'intérieur ne devrait pas se perdre. L'équilibre doit être au rendez-vous. Il dit pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu. Ça, c'est un élément de la foi. L'espérance, c'est un élément de la foi. Il dit espère en Dieu. Espère en Dieu. Quoi? Pourquoi? Parce que je mange mes larmes pour nourriture, au verset 4. Parce que jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est mon Dieu, tandis qu'on me dit à l'extérieur, où est mon Dieu, à l'intérieur de moi, je dis, j'espère en Dieu. Donc, entre l'extérieur, j'aimerais que vous me suivez ici. Donc, vaincre la dépression, c'est quand nous laissons ce qui est extérieur dominer ce qui est intérieur. Il dit plutôt faisons l'inverse. Il commande à son âme de l'intérieur d'espérer en Dieu et de ne pas laisser ce qui cause les larmes, ce qui cause les souffrances, vous jeter dans la dépression.
espère en Dieu. Remarquez bien que ça ne se termine pas au verset. Après la question, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu, il fait la description de son état au-dedans de moi. Maintenant, il se rappelle alors d'espère en Dieu, c'est la foi. Car je le louerai encore. Tandis que la dépression, c'est l'anxiété. Tandis que c'est l'incertitude. Tandis que c'est la faiblesse de ne pas se contenir. Il dit, je le louerai. Il y a un futur de jubilation qui attend quand on peut prendre le chemin pour vaincre la dépression. Psaume 42 continue pour dire. J'aimerais que vous regardiez quelque chose qui se passe dans le même psaume. Psaume 42, après qu'il dit, espérant Dieu car je le louerai encore, il est mon salut. Le terme salut ici ne veut pas dire salut éternel seulement, mais me sauver de toutes les situations où j'ai besoin d'être sauvé. Et mon Dieu, il est le Dieu de toutes mes délivrances. Il est le Dieu de toutes mes délivrances. Espère en l'Éternel. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Dans le cantique, espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps, trouble ton cœur. L'auteur du cantique dit, chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Français. En d'autres termes, Dieu ne reste pas insensible ou indifférent aux épreuves ou aux souffrances de ses enfants. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Écoutez ça, espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Donc la dépression vient d'une source maléfique, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Écoutez, troisième, il dit, saisis la main libératrice. N'est-ce pas vrai que nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration? Voilà, ici, quand l'auteur nous dit, saisis la main libératrice, en d'autres termes, va auprès de ton Dieu à genoux, non seulement célèbre, c'est ce que on a vu tantôt, je le louerai encore. Donc, c'est pas je le louerai une fois, je le louerai encore. C'est parce que la dépression enlève ta joie, ta louange, ton cantique. Donc, il faut penser que tu reprendras ton cantique, tu reprendras ta louange, tu reprendras ta jubilation. N'est-ce pas vrai que le peuple d'Israël, dans la captivité de Babylone, l'une des plus sévères captivités, dit, nous lisons dans le psaume 37, si je ne m'abuse, il dit, sur les bords du 137, sur les bords du fleuve à Babylone, nous étions assis. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos oppresseurs de la joie. Remarquez bien, ils étaient des vaincus, des oppresseurs. Donc, ils vivaient une dépression dans la captivité. Sur les bords du fleuve à Babylone, nous étions assis. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos oppresseurs de la joie. Il dit, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. La dépression vous enlève le goût de louer ton Dieu. De louer votre Dieu, je m'excuse. La dépression vous enlève le goût de louer votre Dieu. Donc, suivez ça. Il dit, quand ils nous demandaient, et c'était quoi leur questionnement? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? N'est-ce pas vrai que je vous avais dit que reconnaître la dépression, c'est un lieu de tourment qui apporte confusion, agitation, trouble, causé par une sorte d'incapacité de s'en sortir? On va vers le psaume 42, verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi, écoutez ça, dans l'abattement, aussi, c'est à toi que je pense. Aussi, c'est à toi que je pense. Changez l'ordre de votre réflexion. Misez sur la fidélité, la bonté, la grandeur, la puissance de Dieu. Faites de Dieu l'objet de votre réflexion. Même lorsque, suivant le verset suivant, 8, même quand un flot appelle un autre flot. Mais le verset 9 du psaume 42 dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Je vais dire quelque chose en anglais et je le dis en créole, en français. When you are facing depression, praise your way out of it. Ça, c'est l'anglais.
Let me say that again. When you are facing depression, praise your way out of it. Quand tu fais face à la dépression, prends la louange pour sortir de cet état. Là où on fait face à une déprime et puis on saute tomber ou pas capable de kembe ni tête ni corps ni en dedans, eh ben chanter, mener tête ou n'entendre de louange pour sortir tête ou là-dedans. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Et voici la dernière étape. Il dit, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Jamais, je vais reprendre, jamais, jamais, Dieu ne ferme pas ses oreilles aux requêtes de ses enfants en détresse. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir, sachant que son enfant, sauvé de la détresse, ne manquera pas de le bénir. Au psaume 43, l'auteur fait un autre exercice de la dépression dans une autre cause. Il commence à « Rends-moi justice ». La dépression peut être le résultat de quelqu'un qui est victime d'une injustice familiale, politique, professionnelle, communautaire, et j'en passe. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause ». En d'autres termes, au lieu de tomber dans la déprime, apporte. C'est l'un des grands théologiens du 21e siècle dit que la prière, c'est avoir accès à la salle d'audience. Dans une salle d'audience, on est venu déposer nos doléances. Donc, si la prière, c'est avoir accès à cette salle d'audience, donc il est venu dans cette salle d'audience, au psaume 43, le psalmiste dit, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. » Remarquez bien ici, c'est une question, pas d'un individu, pas simplement d'une famille, pas d'une communauté, une nation. Ensuite, il dit, « Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » C'est quelqu'un qui a été non seulement victime d'injustice, mais aussi d'indécence. Absence d'intégrité, absence d'équité. Donc, voilà les paramètres. On a vu l'exercice de la tête, le cœur et la volonté. On a vu, trois, décrire l'expérience des 20 regrets. On a vu identifier les causes. On a vu s'accrocher à la parole de Dieu. Je vous donne les références, psaume 42, psaume 43. Quatre. Discipline, quatrième discipline, agir sur la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur, agir sur la vérité? C'est être obéissant à la parole. Être obéissant à la parole. N'est-ce pas vrai qu'il y a des versets que nous connaissons par cœur, comme psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe de ceux qui le craignent, les arrache au danger. N'est-ce pas vrai que nous répétons souvent, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas vrai que nous répétons, invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est pas vrai que nous répétons souvent, fais de l'Éternel tes délices, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, je m'excuse. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. N'est-ce pas, ce sont des versets que nous répétons à tout bout de champ. Mais pouvons-nous être obéissants à la parole? Agir sur la vérité. Prendre Dieu au mot. En d'autres termes, prie la parole. Si tu n'as pas de mots, parce qu'il y a un désordre dans le cerveau. Le cœur est en émotion, te dit des choses mauvaises. Et ensuite, la tête est en train de réfléchir avec cette guerre qu'il y a entre ta volonté et ton émotion. Eh bien, prie la Bible. Prie les promesses de Dieu. Voilà ce qui est dit dans tel passage, Seigneur. Voilà ce que tu as dit. C'est ta parole. Donc, agir sur la vérité. C'est la quatrième démarche. Dans notre lutte contre la dépression, on doit faire face à une force intrépide. Dans la lutte contre la dépression, on fait face à une force intrépide. Allez croire ou non,
C'est quoi la force intrépide? Ce n'est pas toujours Satan. Ce n'est pas la raison. C'est l'émotion. Je reprends. Dans la lutte contre la dépression, il faut se rappeler qu'on fait face à une force intrépide. Et c'est l'émotion. Frères et sœurs, regardez bien. Quand on est en émotion, on peut briser une maison. On peut détruire une famille. On dit des choses qui ne sont pas de notre rationalité. Et bien, quand on revient à notre bon sens, et on se demandait pourquoi, la force à vaincre, c'est l'émotion. La force à vaincre, c'est l'émotion. Il y a une cinquième recommandation que j'aimerais vous faire pour vaincre la dépression. C'est faites un regard sur son style de vie. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Travailler trop, manque d'expertise pour une promotion qu'on n'a pas eue, on ne fait pas assez d'exercice avec notre corps, ainsi le mental et le physique, il n'y a pas d'équilibre. On a un trouble de sommeil, on a une absence d'appétit, on commence à questionner la sincérité des autres, on développe une anxiété sur tout. On questionne l'amitié des autres et le bien fondé de leur présence dans notre vie. Regarde autour. Il faut regarder autour de soi notre qualité de vie. C'est ce que David a fait. Il a regardé autour de lui. Dans sa dépression spirituelle, il dit, « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il regarde son environnement. En sorte que tu seras juste. Peu importe le jugement que tu apporterais, ce serait juste de ta part. Parce que j'ai laissé mon émotion dicter ma volonté, et non le contraire. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et puis maintenant, il commence à faire un état de sa situation. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais je sais envers et contre toutes ces prérequis qui vont contre ma stabilité. Et je ne fais pas la défense que j'avais le droit de tuer le mari de l'autre, encore prendre sa femme, après avoir alimenté tout, pouvoir expérimenter tout ce que vous m'avez donné, honneur dans cette compétition, ou même dans cette volupté. Parce que je sais que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je sais que tu veux que la vérité, agir sur la vérité et faites un regard sur votre qualité de vie. Et la dernière question à se poser quand on frise la dépression, c'est qu'en est-il de ma foi? Quand tout semble être contre nous et on est aveuglé par le désespoir, quand tout semble être contre nous et on est aveuglé par le désespoir, on est appelé à cultiver la foi en Jésus-Christ. Car souvent, j'aimerais que vous me suivez là, je termine. Les vagues de la vie nous conduisent à se sentir désarmés et sans issue, sans espoir. Les vagues de la vie nous conduisent à se sentir non seulement désarmés, sans issue et sans espoir. Allons à Luc, chapitre 8. Je vais lire pour vous un texte. L'évangile de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Je lis pour vous les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. J'aimerais que vous suivez une barque avec ses disciples. Jésus avait commandé le voyage. Passons à l'autre bord. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Jésus était dans la barque. J'aimerais que vous preniez ça. Jésus était dans la barque avec les disciples. Je vais vous dire ce que l'émotion peut vous empêcher de voir. Ce que l'émotion peut vous empêcher de croire. Et deuxièmement, ce que l'émotion peut vous empêcher d'avoir. De voir, de croire et d'avoir. Tout le poids du texte, c'est que premièrement, Jésus a commandé le voyage. Et quel était le mot de Jésus? Passons à l'autre bord. Pas allons au milieu de la mer, pas allons faire une balade sur les eaux, mais c'est passons à l'autre bord. C'est le mot de Jésus. Ce mot de Jésus suffit. J'aimerais que vous me suivez. Peu importe tempête,
Peu importe vague, peu importe Léviathan dans la mer, peu importe la turbulence, peu importe l'eau, peu importe le vent, Jésus a dit, passons à l'autre bord. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ma destinée est dictée par Dieu quand tu vis la dépression. Deuxièmement, il dit, pendant qu'il Jésus dormait, la deuxième question que vous voulez vous poser, peu importe la sévérité de la vague, si Jésus est dans la barque, pensez-vous que la mer, que le vent, que les vagues peuvent engloutir Jésus? C'est pas que les vents, les vagues ne pourraient pas engloutir les disciples de la barque. Mais les vents, les vagues ne pouvaient pas engloutir ni la barque avec les disciples, parce que Jésus y était. Dans la dépression, demande-toi qui est ton accompagnateur. Avec qui tu fais chemin. Et j'aimerais que vous souligniez trois autres éléments dans le texte. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'en emmène, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Soulignez un. Pendant qu'il naviguait. La dépression ne vient pas quand on ne fait rien. La dépression vient quand on est occupé à sa profession, quand on est occupé à une carrière, quand on est occupé à éduquer ses enfants, quand on est occupé à prendre soin de sa famille, quand on est occupé à faire son ministère, quand on est occupé à obéir à la volonté de Dieu. Et puis, soudain, un arrêt. Soudain, une vague. Soudain, une tempête. Soudain, un obstacle. Soudain. Voilà. C'est quel est ton tourbillon? La pandémie? L'incertitude de l'économie? La réussite de la famille? La maladie de votre enfant? C'est quel est votre tourbillon? La stérilité? C'est quel est votre tourbillon? C'est l'incapacité de réussir? L'absence du succès? Vous avez tellement... Fait d'efforts pour pouvoir sortir avec brio et voilà que semble-t-il chaque coup avancé est un pas vers l'échec. C'est quel est votre tourbillon? Un tourbillon fondit sur le lac. Écoutez ça, la barque se remplissait d'eau. Maintenant, le tourbillon n'était pas simplement en dehors de la barque. Le tourbillon maintenant est à l'intérieur de la barque. Il y a les problèmes externes et les problèmes internes quand vous vivez la dépression. Mais, suivez ça, il y a le vent, la mer en dehors de la barque. Maintenant, il y a le vent, la mer à l'intérieur de la barque. Il va y avoir le vent, la mer à l'intérieur des disciples. C'est quoi le vent, la mer, la peur? Je reprends. Il y a le vent, la mer à l'extérieur de la barque. Il y a le vent, la mer à l'intérieur de la barque. Il y a le vent, la mer à l'intérieur des disciples. Remarquez bien, si vous lisez le même passage dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, vous trouvez le même épisode. Jésus ne s'est pas adressé aux disciples d'abord. Jésus va premièrement s'adresser à la source de leur peur, la source de leur anxiété, la source de leur problématique. Il parlait au vent et à la mer. Tais-toi, fais silence. C'est alors, après les deux premières commandes, pour deux premières commandes, Jésus est revenu à la charge pour dire, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? J'ai dit tantôt, praise your way out of it. Écoutez ma deuxième. Believe God and take your way out of it. Croire Dieu et prendre le chemin de sortir de la dépression. Il n'a pas dit croire en Dieu, il dit croire Dieu. Le texte dit, le verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. C'est en réveil. Regardez le texte bien. Ils sont allés vers Jésus pour faire
état de la situation, d'inquiétude, d'incertitude, de péril. Et puis, Jésus, c'est apparemment, ne prenait même pas cas de ses disciples, va juste directement au problème. Et j'aimerais que vous lisez le texte de Luc, chapitre 8, versets 23 et 24. Ils disent, non seulement le calme revient, même un apaisement. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Il menaça le vent, je reprends, il menaça le vent, les flots. Donc il y a deux entités ici. Le vent cause les flots rentrent dans la barque. Les flots dans la barque alimentent la peur des disciples. Et à partir de cela, Jésus amène le calme et demande à ses disciples, « Qu'est-ce qui se passe avec votre foi? Believe your way out of it. » Et ils vont réaliser que celui qui était leur accompagnateur avait l'autorité pour commander même le vent. La mer lui obéissent. Même le vent et la mer lui obéissent. Où est votre foi dans cette pandémie? Où est votre foi dans cette incertitude? Où est votre foi dans cette anxiété que le monde traverse? Où est votre foi dans cette absence de sérénité? Où est votre foi dans cette instabilité? Où est votre foi pour non seulement vaincre, pour non seulement faire considération de ce qui se passe entre la tête, le cœur et la volonté, pour considérer et décrire l'expérience des vains en regret, deuxièmement, identifier les causes ou les sources de votre déprime. Ayez la parole de Dieu pour guide en tout temps, pour pouvoir agir. Quatrièmement, sur la vérité par l'obéissance. Cinquièmement, faire un regard sur votre style de vie. Et septièmement, positionnez-vous dans la foi pour résoudre les problèmes du passé, du présent et l'incertitude du futur. Et contempler les vagues de la vie comme étant passagères, temporaires, éphémères. Et vous traverserez non seulement les vagues, non seulement les flots, vous sauverez votre bateau, vous garderez votre Jésus, vous regagnez votre calme et les vents cesseront et les vagues diminueront pour ne pas dire disparaîtront et le Jésus reviendra pour remettre au cap la foi qui a été chancelée. Écoutons les filles chanter avant la prière et la bénédiction et que le Seigneur vous donne la grâce de sortir de cette pandémie avec un témoignage, pas vous serez vainqueur, pas vous aviez eu le temps de considérer la victoire, mais personne ne peut parler de victoire s'il n'a jamais rien combattu. On ne peut pas parler de succès s'il n'a jamais rien tenté et essuyé des échecs. On ne peut jamais parler d'excellence de la vie avec Dieu si on n'a jamais séjourné les liens avec Satan, avec le péché, avec le monde, avec la convoitise. On ne peut pas jamais parler de bonheur si on n'a jamais séjourné dans des temps de malheur. Alors que le Seigneur vous ajoute la grâce de vaincre la dépression par ce cantique. Sans
ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour, les provisions faites à notre endroit dans des temps de grandes difficultés. Quand notre Dieu, notre foi n'est pas au beau fixe, l'auteur du Cantique 85, ou dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, dit « J'aimerais entendre cette histoire lorsque je perds courage et lorsque faiblit ma foi. » Seigneur, tu nous apprends aujourd'hui, à saisir les armes nécessaires pour vaincre les temps de déprime, parce que l'épreuve, les détresses, les angoisses, les vagues, les turbulences font partie intégrante de la vie. Donne-nous de nous rappeler que notre destinée est entre tes mains et que nous n'avons rien à craindre parce que
Tu nous accompagnes dans le cheminement de notre existence. Fais éclater ta gloire dans nos vies et donne-nous de nous rappeler que celui qui tient les rênes, ô notre Dieu, de ce pèlerinage que nous faisons sur cette terre s'appelle l'Éternel des armées. Non seulement qu'il est en contrôle parce qu'il est souverain, mais aussi qu'il est gracieux et condescendant, et il vient au secours de ses enfants. Donne-nous de nous atteler, ô notre Dieu, à ce discours, de parler à notre âme pour dire « Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Et faire le questionnement que le psalmiste a fait. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en l'Éternel. » Voilà pourquoi, Seigneur, envers et contre les avis du temps, nous voulons espérer en toi. Fais éclater ta gloire et manifeste ta puissance. Parle encore à nos cœurs. Conduis cette fin de semaine, ô notre Dieu, si difficile, nos pas et nos cœurs vers le trône de grâce où tu nous invites trop souvent à nous retrouver pour être secourus dans nos besoins. Qu'il en soit ainsi. Veille sur ton peuple en tout lieu et que ta grâce repose sur chacun de tes enfants. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps puissent être irrépréhensiblement gardés à Jésus-Christ pour le jour de son avènement. À lui soit la gloire dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église, dans nos ministères, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bonne fin de soirée. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/don. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important! Si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Dude.